la méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne. Cher ami, le verset biblique du jour se trouve dans 1 Roi 19, verset 12. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Pour trouver la paix dans notre vie, nous devons simplement obéir aux impulsions que Dieu nous donne chaque jour. Une impulsion est une conviction profonde et intérieure qui vous pousse à agir d'une certaine manière. 1 Roi 19, verset 12 fait référence à cette petite voix douce et calme. Une impulsion ne se manifeste pas comme un grand coup de marteau sur votre tête. Dans 1 Roi, le Seigneur n'a pas utilisé un vent fort et puissant, pas plus qu'un tremblement de terre ou qu'un feu, pour pousser Élie à agir. Sa voix lui est parvenue dans une brise douce et légère. Une impulsion n'est même pas nécessairement une voix. En réalité, Dieu vous donne souvent des directions s'adressant directement à votre cœur plutôt qu'à vos oreilles. Tout ira bien mieux dans notre vie si nous apprenons simplement à écouter Dieu et à faire ce qu'il nous dit. Peu importe les circonstances, nous devons écouter Dieu et obéir à sa voix. Vous ne pouvez pas comprendre les raisons pour lesquelles Dieu vous demande de faire certaines choses. Mais quand vous écoutez sa voix et que vous obéissez à sa direction, vous expérimentez une paix profonde. Soyez donc à l'écoute. Prions ensemble. Saint-Esprit, aide-moi à être bien à l'écoute pour entendre tes impulsions chaque jour. Je désire ta paix. Je vais donc t'écouter. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous souhaitez découvrir plus de ressources de Joyce, retrouvez-nous sur le site joycemeyer.fr.